Ce qu'on aime bien faire des Budapest Oasis dans l'équipe, c'était de proposer donc, des destinations, des pays avec des espaces nature très jolis, qui soient de beaux terrains de trail, et en même temps avec un intérêt aussi culturel et de visite, de découverte.
dindes, oui, des c'est étoiles. Ça. Et moi, je voulais dormir. Alors, je ne sais pas si ce sera possible un jour, dans ces jours. Mais par ici, c'est... Dans la nuit, c'est, je pense, c'est pas. D'accord. Juste à côté, il y a du sable. D'accord. Mais un peu plus loin. Loin, c'est un peu frais, par là. D'accord. Dans la montagne. L'hiver, c'est moins 35, 38. Ouais. À l'ouest de la Mongolie, c'est moins 40. Moins 40. Une fois, c'est en 2009. C'était très froid, c'est moins 50 degrés. C'est beaucoup d'habitants qui sont morts. Oui, de oui. J'avais vu oui, des émissions là-dessus parce que c'était terrible. Plus pour des élevages et des chèvres qui n'ont pas supporté. Ouais. La Mongolie, avec ses grands espaces, ses grandes steppes. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, on a un temps magnifique. Alors, je suis un petit peu monté sur un flanc de la montagne. Histoire de voir dans quel environnement on se trouve. Et là, je dois dire que c'est, voilà, c'est gigantesque, c'est à perte de vue. Et ouais, pour demain, ça va être extraordinaire. Moi j'ai eu froid, ouais. J'ai eu froid, puis beaucoup de mal avec le vent. Hein. Ouais, ouais. Tu vas prendre ça, parce qu'en pleine dernière, moi je suis. Ah, attends. Deux, hein. Ouais, regarde, j'ai un morceau comme ça. T'as pas un couteau? Ah, vous préparez quoi là? Tu viens voir la caverne d'Ali Baba? Ouais, je vais voir ce que vous faites. Un peu. On va être, c'est quoi, c'est le ravitaillon? Le ravitaillon. D'accord, donc vous allez partir plus tôt que nous alors. Ah oui. Ah oui. Ça a l'air sympa ce que tu manges. Œuf dur, confiture, enfin œuf, à la, œuf sur le plat, confiture, Nutella. Ça suffira? Oh, je pense que je vais aller retourner une deuxième fois. Mal parti. On va faire quoi? Ouais. On va faire quoi? Alsace. 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 On a vu des cigognes. Ici? Thank you.
Au bout de 7-8 km là, il commence à y avoir des écarts avec ceux qui sont derrière. Ça en dit long au niveau des différents niveaux de chacun, mais en tout cas, tout le monde a son propre allure, profite des moments et des instants qui sont privilégiés de courir dans cet environnement, dans ce magnifique paysage. Et qu'est-ce qu'on dit? On se régale, c'est magnifique. C'est un cadeau de la nature, non? C'est un cadeau, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de la vie, là, ça. Un cadeau de la vie. Il faut profiter, faire le plein de ces bons moments. Je pense à ça quand on a des soucis. Bon, bah là, on a failli se perdre, hein. Ça va. C'est perdu. Non, ça va. Bravo.